Ouais, bonjour, bon dimanche à tous. C'est compte qu'on va comprendre un truc qui n'est pas dur à comprendre, pourtant ça s'appelle la convergence. Alors oui, je regardais ce matin encore, je vois des vidéos de quelqu'un un peu que je connais, qui a filmé. Le 24, les motards en colère. Une fois, il y a eu les si en colère, les sans colère. Le samedi, il y a les patriotes, il y a des gilets jaunes, il y a le peuple en colère, les anti-ci, anti-sans, machin. Mais on a toujours pas compris qu'il fallait marcher ensemble, les gars. Parce que imaginez, là, il y avait au moins, j'ai vu au moins, ouais, peut-être plus de 500 motos pour tout ce qui était du stationnement payant, machin à Paris, tout. Eh, mais les gars, 500 motos ou peut-être 1000 s'il y en a, ça fait un boucan. Plus un cortège à pied qui suit après les motards, ça fait encore plus du boucan. Venez avec. Convergence, un peu, convergence. Tous ensemble, faut arrêter. C'est quoi ça? C'est les égos? Et quel égo? Y a pas d'égo là. Faut pas avoir d'égo, mon ami, puisque le gouvernement t'a réduit comme une merde. Non, il peut pas avoir d'égo. Pardon. Tu peux pas avoir d'égo, non? Il est parti. Ouais, quel égo, mon ami? Le gouvernement vous a tous mis à genoux. D'accord? Vous avez un semblant de liberté, un semblant de science. Mais tout le monde est à genoux. L'ego, il n'y en a plus. Ça n'a rien d'en avoir. Au contraire, ça serait pas beau ça. Un cortège de motards en tête de cortège. Au début. S'en vient après les gens à pied. Allez, pas 500 personnes. Hein. On veut au moins 20 000, 50 000, 100 000, 1 million de personnes derrière ce cortège en motard. Derrière ce cortège de motards. 1 million de personnes qui fera un bruit fou. Ouais, 1 million de personnes derrière, imaginez ça, qui ferait un bruit fou. Avec des tambours, des machins, des scies à gueuler, des porte-voix. Et derrière tout ça, un cortège d'autres professions en colère. Agriculteurs, dépanneurs. Bon, routiers, on va pas les attendre parce qu'ils viendront pas. Mais il y en a qui peuvent venir. Dépanneurs, des trucs comme ça. Imaginez, ça serait pas beau ça. Et ça serait l'union, et ça serait trembler l'État. Et pas en plein après-midi, en début de soirée jusqu'à la nuit. Ça serait beau ça. Vous imaginez un peu le bordel à partir de 17h jusqu'à 22h, 23h, dans la rue comme ça. Ce serait pas magnifique ça? Ouais, ça serait pas beau ça. Tous unis pour la même cause. Allez, bon dimanche, on peut rêver. Hein.